sa jeunesse. Je serai psychiatre. J'écouterai mes patients et je leur prescrirai des antidépresseurs. Je suis née au mois de janvier et c'est un mois qui débute, alors on va dire janvier. Un mot, dans le contexte de ce métier, je dirais allié. Parce que dans mes doutes d'artiste et dans mes joies d'artiste, même les gens les plus proches de toi, dans ta famille, dans tes amis, vu qu'ils sont pas, ils évoluent pas dans le même contexte émotionnel, parce qu'on est quand même, on vit quand même un truc un peu à part et extraordinaire. Donc il te faut des alliés dans ce milieu, dans ce métier, des gens qui te comprennent, à qui tu peux dire les choses sans avoir à les expliquer, etc. Et elle, ben, c'est la personne avec qui je partage tout ça. Ce serait Instagram. Je me réveille, je mange, je dors Instagram. Non, je trouve que c'est un endroit particulièrement créatif où on peut s'exprimer et créer son univers. J'adore ce réseau social. Je vous parle de 20 ans que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est la bohème. Ma philosophie. C'est pourtant pas ma préférée. Mais je pense que c'est la préférée des gens qui m'aiment. Donc comme je veux leur faire plaisir, si je devais en chanter qu'une tout le temps, je chanterais celle-là. Il faut bien choisir la chanson. Parce qu'il faut pas qu'il m'écrase, quoi, tu vois. Moi, je me suiciderais d'avance. Oh, bah non, tu sais, si je sais qu'il y a quelques sommets, je préfère couper court. Hein. Je lui dirais que c'est moi qui vais lui proposer le mien. Bon, j'ai dit que je l'aimais bien, j'irai pas non plus jusqu'à danser la valse. C'est ce qu'il danse, non? J'aimerais tourner avec Louis Garrel. Si on peut se pécho aussi, c'est pas mal. La mienne. Ce serait Jean-Michel Maire, parce que je trouve qu'il se sort de toute situation inextricable. Il me fait beaucoup rire. Branche tout sur Anne.